Bonjour, c'est Arnaud. Aujourd'hui, je suis bénévole pour les Restos du Cœur. Je vais vous présenter une recette simple, efficace à réaliser chez vous. Donc, ça sera un émincé de volaille, flageolet et vierge, tomate, citron, échalote. Donc, on va commencer par échalote et qu'on va venir émincer. Ça, je vais venir le réserver dans un bol. Derrière, on va passer au citron. Donc, on coupe les deux extrémités du citron qu'on va éplucher. Une fois que le citron est bien épluché, on va venir prélever les segments. Donc comme ça, entre chaque membrane, on va venir récupérer les quarts de citron. Une fois qu'on a prélevé les citrons, on va presser le jus sur les échalotes. Et là, on va venir tout simplement couper nos citrons en petits cubes. Et ça, on va venir l'ajouter à nos échalotes. On va passer à la tomate, donc on va couper en quatre. On va venir les pépiner. Donc avec le couteau, on va juste enlever le cœur de la tomate. On va garder les pépins qu'on va rajouter dedans aussi. Ça, c'est cool. Et là, on va venir faire des lanières de tomates. On va ensuite redécouper pour faire des petits cubes. Et on va venir rajouter ça au reste de la préparation. Assaisonner avec poivre, sel et de l'huile d'olive. Et après, on va mélanger. Juste attendre que ça soit homogène. Et on va laisser mariner le temps de préparer la volaille et les flageolets. Donc voilà, on va cuire nos blancs de volaille. Donc pour cela, on va les assaisonner. Dans notre poêle, on va mettre un filet d'huile d'olive. Et là, on va venir dorer nos blancs de volaille, tout simplement à la poêle. Voilà, une fois qu'ils sont un peu colorés, comme ça, on les retourne. Voilà, une fois qu'ils sont colorés de tous les côtés, on va les débarrasser dans une plaque qui va au four. On va venir finir la cuisson au four, comme dans l'esprit d'un poulet rôti. Donc voilà, la volaille est cuite, maintenant on va juste la détailler. Voilà, on va venir l'escaloper comme ça, gentiment, en biais. On va venir l'adresser sur nos haricots. Un petit tour de poivre. Et on va finir par cette belle sauce vierge qu'on va venir mettre généreusement un petit peu partout. Et voilà, reste plus qu'à déguster. On compte sur vous pour cuisiner.